là, on est au coin, on a trouvé des peyotés hier, donc il devrait y en avoir plus dans le coin, puisque quand on en trouve un, on en trouve plus. Voilà, bon ben là, on part à la rencontre des peyotés. Hop, je prépare ma lame, c'est ici qu'on devrait en trouver. Ok, alors j'ai trouvé des peyotes. Voilà, alors les peyotes, c'est ce qu'il y a là, à côté de moi. Je vais vous montrer comment ça se coupe, puisque bon, on a appris ça il y a quelques jours. Donc maintenant, on sait comment ça se coupe. Faut pas faire n'importe quoi. Voilà, je vous montre tout de suite. Voilà, alors là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais tous ces petits-là, ils sont trop petits. Alors on va pas les couper parce que faut les laisser pousser. Alors, voilà, faut creuser un peu autour. Et en fait, faut couper que la tête. Que la tête, faut surtout pas couper les racines. Puisque en 6 mois, le peyote repousse. Par contre, il faut des années pour en faire un adulte. Mais une fois qu'il est poussé, juste couper la tête. Ça met que 6 mois à repousser. Voilà, je coupe comme ça. Et voilà, j'ai mon peyote. Et il faut reboucher. Donc là, c'est ce qui reste. Et on rebouche comme ça. Hop, on recouvre de terre. Et voilà. Et je fais mon petit remerciement à la terre du désert. Voilà. Merci à toi, petite terre du désert.